part pas. Oh monsieur! Monsieur. Elle te Non vaut mais l'or, attends, monsieur! attends, attends, je sais pas ce qu'ils veulent Rookmout là gros. Je sais pas si tu me connais, mais tu vas vite à me Oh, connaître. agent 23! Oh, tu te calmes, hein! Voilà, il a dit quoi? Il a dit quoi mon collègue? Agent 23. Toi t'es Ah, quoi? c'est T'es un... vous! Désolé. Exactement, y'a pas de Désolé, problème frère. collègue. Oh, agent 23, excusez-le, venez avec Ouais, y'a moi. pas de souci, on y va là. Un peu Je d'autorité, bon connais c'est pas pas encore grave. tout le monde, désolé, monsieur, je Y'a suis pas de désolé. problème. Quelle matricule? 06, monsieur. D'accord, ok, enchanté Oh, agent 23, 06. Enchanté de t'as même. présenté ses excuses là? Tout Ouais à ouais fait, je me suis excusé. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est Bon bon. après il est roux hein, ça Ah, c'est un pardonne pas nouveau, ça il en connaît pas général. l'équipe encore, pas de Ouais, pas soucis ça. encore. Oh, il Je connais apprendra pas à encore connaître tous les l'équipe. visages Hein. hein. Ouais, je sais, cher collègue, mais bon, on va faire un petit peu de bizutage, c'est normal. Moi j'ai commencé comme ça, moi aussi on m'a bizuté. Hein. On m'a mis dans une Ah, mais. ruelle et on m'a mis des matraques dans le cul à l'époque. Hein. Ah, Ça de la tuile la ici, petite. ouais. C'était comme ça à l'époque, à la petite Théo, hein. Exact, hein. Ah, sans oublier la vaseline, hein. Exactement, ça va. Au moins il y avait un petit peu de sécurité à ce niveau-là, ça a évité Oh d'avoir là. l'anus déchiré, quoi. Ah, moi je t'ai dit, je l'ai eu sans vaseline. Oh, j'ai encore des séquelles, hein. Ouais, c'était comme ça qu'on formait les nouveaux. Bon, allez, police de service pour moi. Oh, pas de soucis, hein. 10-4. Puis, Le King je me Ababeno. souviens qu'ils étaient surtout en noir avec des Hier, chaperons et des. plus En jamais, hein, sur noir mes du chapeau, projets. Hein, même d'accord. si. Je sais, Kinder, merci beaucoup. C'était Oh tout là gentil ce que là. tu m'as dit dans le chat, mais. Mais t'es un malade, toi. Il est trop bien ce serveur RP. S'il y en a qui veulent jouer, mais full sérieux, vous venez en privé. Hein. Je prends quoi, les gars? Policier? Et le gilet? Oh, il est bien, quoi. Ils vont en faire un whitelist? Oh, mais comment elle me voit bien cette tenue, hein, monsieur? Ouais, ça va, franchement, voilà. J'ai mis un petit peu de gel ce matin. Ça va, la coupe, elle est bien, bien plaquée. Oh, psaha, comme on dit chez Ouais, nous, hein. j'ai un collègue là. Je dois le former là. Il est à l'aéroport, il faut que j'aille le chercher. Oh, lequel? Ça, Tu veux qu'on aille tu sais. ensemble? Ouais, tu sais, s'il y a des véhicules qui traînent là. Oh, viens, viens, on va prendre le mien, il est là. On va l'en patrouille, hein. Tu ressembles pas trop, hein. Oh, mais qu'est-ce Ok, qu'il a là-bas? s'il vous plaît, genre, parce que c'est très Oh, très dur pour cadet, nos j'ai rien moi proximités celui-là de. là-bas, hein. Oh, faut tout leur dire à ce cadet. Oh, viens, viens, T'es collègue. où? Viens. T'es où, DMG? On vient de chercher. Par contre, monsieur, là, Monsieur, il est la pudeur, interdit de là. se promener en Ouais, torse nu torse en nu, ville, là. là. Téton On à l'air peut comme me ça, mettre un ça va pas le faire, t-shirt, monsieur. là. Ouais, du coup. Non, mais il a pas Ouais, le non, choix, mais quoi. pour J'ai pas l'impression l'assurance, qu'il nous écoute, là. je peux pas faire. Je peux rien faire. Oh, monsieur, on vous parle, là. M'entendez-vous, hein, monsieur? Attendez, on va s'éloigner un petit peu. Oh, il a pas raté. Oh, collègue 23, viens. Mais ouais, du coup, pour l'assurance, je peux rien faire. Hein. Je voudrais bien terminer, quoi. Ouais, mais les gars, c'est pas pour troll, hein, c'est pour faire Un du foutu sérieux, ça. maître heureux, je me fais contrôler par les policiers. Au moment le GPS Ah vers putain, j'arrive. l'aéroport. T'es Monsieur où? le gros, je suis le camion de poste à proche de Comécoin. Ok, attends, il est là, je viens de recevoir un texto. Attends, il est juste à côté, camion de poste, viens, viens, viens. Assurance. T'es où, Ok, là? bon après-midi. Allez. Mais t'es sérieux, C'est. DMG? Ouais, Un mec bonjour qui a les volé le collègues, ouais, véhicule. bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, lieutenant. Cette personne a klaxonné devant le commissariat, véhicule Abusif de volé. klaxon, vol de véhicule, Oh, conduite sans laissez-nous permis. gérer les cadets, laissez-nous Maintenant, c'est gérer pas les cadets. avec le volet, elle est Oh sur le putain! Oh, les cadets, Pourquoi laissez-nous Pat? gérer. Ouais, c'est bon, je le connais, c'est Pat, putain. Ouais, Oh, c'est ouais, c'est passé pas quoi? de pointe. Ouais, t'es parti ou quoi? Tu reviens maintenant ou? J'avais des T'as fait quoi? problèmes. Ouais, mais t'as fait quoi? Il s'est passé quoi, gros? Oh, dans ça, les histoires. C'était Ouais, mais un tu sais histoire, ça va que être là, il va mineur. falloir te reformer, quoi, en fait. Parce que là, il y a eu des nouvelles directives et. Ah ouais? C'est très sérieux, là, ouais. Oh, pote, tu es sérieux, tu me viens avec un véhicule volé comme ça. Non, c'est le véhicule de fonction. Ah, oh, c'est le véhicule de fonction. Ah, tu es devenu Ouais, mais postier? là, le problème, c'est que là, Ouais, faut j'ai travaillé à la vraiment. poste. Oh, ça gagne bien? Ouais, bah, je gagne 1000 euros par mois. Oh, bah, c'est bon, hein. Ah, 1000 euros, ça suffit, hein, vu que tu vis encore chez ta maman. Oh, bien sûr, c'est que de l'argent en poche, hein. Ouais, tu vas Oh, pouvoir banquer et t'acheter un petit appartement, un petit T2 à Châteauroux, hein. Si Oh, ça se toi, passe tu bien, achètes des Inch'Allah, tu films rentres. porno, hein. Inch'Allah, tu rentres bientôt en France. Parce que, ouais, en fait, je t'explique, collègue, je l'ai connu là-bas. À l'époque, je sais pas, il s'amusait à traîner dans la rue, il avait une petite guitare, il faisait, je sais pas, c'était un Ah délire chelou de manouche, ouais. ouais, je vois le petit ukulélé là. Ouais, exactement, il avait un petit talent dans la musique. Malheureusement, Kenji Girac qui est passé par là et il a raté sa carrière. Ah, je vois, je Voilà. vois. D'accord, Bon, on allez. fait comment pour moi?
Bah on va voir si le commandant est là, hein, histoire de te remettre... Oh, le commandant il arrive bientôt en ville, il m'a dit. Ok, bah moi je vais ranger mon camion dans la poste, j'arrive. Ok. Ouais, merci hein, d'avoir, d'avoir interpellé. En effet, je le connaissais, c'est un, ancien collègue. Ouais. Ok, d'accord. Il a été réformé et là, il essaie de revenir. Il va falloir le reformer une nouvelle fois sur les nouvelles méthodes de la police. Eh bah, pas de soucis, on sera là. Ouais, ouais, il est parti rendre le véhicule, vous en faites pas, voilà. Ok, du coup, sinon, c'est juste un avertissement. Ouais, voilà, juste un petit avertissement. Okay. Et sinon, en ville, tout se passe bien, tout est calme. Oui, écoutez, bah tout à l'heure, on a eu quelques, enfin, on a eu affaire à quelques rigolos, mais on en a arrêté deux, mais visiblement, ils sont soit ils sont évadés, soit je sais pas. Et le commandant vous a informé. Regarde, on a nos véhicules devant le commissariat. Eh bah, ben, écoutez, oui, ça va plutôt bien. Comment arrête de te faire le DMG là, au sérieux. Là-bas, il est prêt à un bus. Oh putain, il va falloir que je lui parle. Je crois que je vais lui mettre un coup de matraque, ça va lui faire les dents. Attendez. Non mais arrête de faire ça là, reviens. En plus devant le véhicule de flic là. Moi j'attends la commandant. Non, fais pas ça, vas-y, range le véhicule. Je le range. Tu vas être reban gros. Attends, pousse-toi, je vais le ranger en haut de con. Ah, ça passe pas. Les mecs ils ont été cool avec toi, ils t'ont déban et tu refais le con. Vas-y go là. Je le range en. Laisse-le, vas-y, viens. Là, ça commence à pas être drôle, là, viens. Bah, j'attends Kane, moi, en fait. On s'en fout, viens avec moi. Et parle dans le jeu, viens. Faut que ce soit immersif. Non, mais surtout qu'il a un potentiel, il peut vraiment bien je jouer. Je le remets à sa place, en motion. Ouais, c'est bon, Cadet, remets, faites-lui l'avertissement maintenant, venez, on va sur le. Mettez-vous sur le. 10-4, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, en attendant, le commandant, pouvez lui faire un petit avertissement sur la prise des véhicules, voilà, qui sont pas. Pas de soucis, monsieur. Bon, monsieur, que ce soit clair, les vols de véhicules ici sont interdits, donc si on vous y reprend, on vous emmène en cellule, et les amendes seront pas très douces, j'espère que c'est clair sur ce point-là. Ouais, elle est en plein milieu de la route, hein, je rends un service. Bah écoutez, monsieur, non, vous voulez pas de véhicules, c'est tout, c'est à nous de nous en occuper. J'espère que c'est clair. Oh, d'accord, monsieur, excusez-moi. Pas de soucis, monsieur, c'est un avertissement, la prochaine fois, ça sera pas comme ça. Je comprends. Ouais, voilà, aussi, c'est voilà. Comme ça qu'on règle les problèmes avec diplomatie et élégance. Bien vu. Tout bien à parlé. Fait. Merci bien. Bon, pour l'instant, tu vas venir avec moi. On va aller travailler un peu à la photocopieuse. J'ai quelques photocopies à te faire faire. Viens. D'accord. Et franchement. De quoi on va faire quoi, monsieur ? Je vais regarder s'il y a quelques documents. Je vais me ranger, comme classer quelques documents en attendant. Et je vais voir s'il y a encore ton le matériel. Enfin, les matériels, les armes. Par contre, armes non létales. Hein. Je pense que tu vas recommencer cadet avant de devenir officier. Ah ouais ? Bah ouais. C'est qui ? Ouais, c'est un ancien de chez nous de la maison. Bonjour, monsieur. Ah, d'accord. Ouais, il a été un petit peu, il a été perdu un temps, là il revient, il a des soucis, raison familiale je crois, et semi-professionnel. Ah d'accord. Ouais, t'as le droit d'expliquer aux collègues hein, ce qui t'est passé, hein. N'hésite pas, ils sont gentils. Bonjour. Bonjour. Ouais, bah... Ah, bah, non, on va plutôt pas expliquer, je pense. Ouais, je pense qu'il y a 200. On peut vous aider ? Ah bah, oui, bonjour. Vous pouvez nous aider. Attends, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez des informations sur un certain Dick Taylor ? Pourquoi ? Pour notre agence. Vous êtes qui ? IA. IAA. Il n'y a pas de IAA ici. C'est quoi ces mecs ? Non mais pas de... ici nous... On... Il y a du Takam. Une autre ville. Une autre ville ? Exact monsieur. Montez-moi votre plaque. J'ai pas sûr moi monsieur, vous comprenez bien. Ben, je vous invite à sortir du commissariat.
Ouais. Et je vous invite à sortir du commissariat, chercher votre plaque et revenir. Pas de soucis, monsieur. À tout à l'heure. Je répondrai pas à vos questions, monsieur. Je vous invite à sortir de ce commissariat, chercher votre plaque et revenir. Ouais, ouais, votre plaque. Compris, c'est bon. Ah, on a compris. Faut pas répéter plusieurs fois non plus. On est pas je vous invite. Tu veux savoir ce qui se passe là? Ces individus se prétendent de la IAA et vous êtes informés. Tu veux avoir votre plaque d'IAA avec votre cravate en dehors de votre. On allait les rechercher, monsieur. Bah, allez chercher vos plaques, vous revenez ici avec vos plaques, soucis, ça va? Y a pas de soucis. On a affaire à l'usurpation d'identité là, ou qu'il se passe quoi? Exactement, bonjour à tous. Exactement, oui. Ah, il n'y a pas de règles à ce que je sache, alors, hein, donc vous revenez avec une plaque. Qui ne sont pas vraies, quand vous savez pas. Eh ben, j'attends votre plaque. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Il n'y a pas de problème. On va aller chercher, il n'y a pas de problème. Évitez les menaces avec moi, s'il vous plaît. Non, non, commencez pas à faire malin, on vous demande simplement. De non, sortir, non, y a pas aller de chercher. Hein. Non, non, mais voilà. Vous nous dites des choses comme quoi on ne reçoit plus une identité. Hein, mais... Ouais, ouais, c'est ça. L'habit ne fait pas le moine. Ramenez vos certificats et on verra après derrière. Allez. Attends, c'est quoi ça? Ah, pas de problème. C'est quoi ces mecs? Ouais, c'est bon. Le commandant est là. Va falloir que tu tiennes à carreau et que tu lui montres le bon exemple. Hein. Il va avoir des garanties. Si tu veux commencer à matraquer des délinquants. Si tu veux qu'on fasse en toute sécurité, va falloir écouter. Bon. Pour un matraquer gratuitement, comment bon on vient t'en Gratuitement, ouais, c'est à voir. Faut qu'on ait une raison. Mais t'inquiète pas, on va en inventer des fois. Voilà. Il est où le commandant? Comment j'aime pas ces gens là. Vous allez vous rendre chez le shérif ou bien j'y vais? Allez, Oula, je vous ai pas reconnu, vous avez les cheveux roses maintenant. Vous là. Ouais, bon, enfin, soit. Pour le shérif, il est où? Dans leur bureau, c'est pas vrai. Dans leur bureau à eux? Ouais, c'est pas dans leur bureau. Ah, il faut qu'on aille chez les shérifs alors? Voilà. Si pas vrai, vous avez parlé d'un cas de détenu, mais qui? Ok, ça va. Ouais, j'ai eu oui de cette histoire, mais je savais pas que c'était. Tu penses, les KKLS? On va y aller, ça va, on va prendre un véhicule, on va prendre deux patrouilles. Tu penses que tous les flics, c'est des abonnés? Prenez un cadet pour qu'il voit un peu. Comment ça se passe avec les shérifs? Histoire qu'ils voient un peu sur le terrain comment ça se passe. Parfait. Ça va? Bonjour, commandant! Bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, c'est Pat, en fait, il est revenu aujourd'hui, il a eu quelques soucis familiaux et. Ah, d'accord. Il voulait revenir à la maison, mais bon. Comme vous voulez, commandant, il faut absolument avoir des garanties parce que je peux vous dire que. Par moment, enfin. Faut savoir le cadrer, quoi. Après, je peux être là pour l'aider, mais bon, il veut vraiment faire que du bien, quoi, à cette ville. Il ouais. Va servir et ouais, voilà, que de bien. Venez dans le bureau, là, on va discuter un peu. Préparez le véhicule 98. 94. Oh putain. Alors, Patrick, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous êtes pas venu. Hein. J'ai appris que vous avez été faire médiateur dans les quartiers. On va parler de la Syrie aussi, qu'est-ce que c'est ouais, que cette histoire? Il est rentré, ouais. En cité, ouais. Vas-y, explique-leur ce que t'as fait dans les cités. J'espère que vous n'êtes pas parti pour rien. Maintenant. Vous êtes revenu cultiver un peu là, ou votre stage? Ouais, je suis revenu au plus fort. Et vous, maintenant, je suis devenu étoile chauve, j'ai fait un pèlerinage, mon ami. Ah ouais? Je suis revenu plus souple, plus gentil. C'est bien, j'espère bien pour vous, parce que j'ai remarqué sur les caméras qu'il y avait eu des petites bavures là. Vous m'expliquez ça? Écoute, c'est pas des choses qui sont passées. On n'a rien vu tous ensemble. Maintenant, c'est le présent. D'accord, donc ouais, c'est vrai. Mais bon, faut faire attention, hein, c'est la dernière fois que je vois ça. Hein. Ouais, faites-moi confiance. Oh, je peux savoir, c'est un peu mort ici ou quoi? Faites-moi confiance. Vous êtes pas du toqué, 44. Non, vous sortez, vous toquez. J'ai une information de la plus haute importance pour vous. Ouais, bah vous, c'est la même chose, vous sortez, vous toquez. Vous rentrez tout le temps dans mon bureau comme ça, là. Oh. il toque pas, non. Ouais, non, mais vous avez raison, les gens... Ouais, mais c'est ça, incroyable, non, c'est à chaque fois, on rentre dans mon bureau, il y a que moi qui ai la clé, hein, ce que je sache. Bon, enfin, soit... Bon, je vous écoute. Ah oui, Patrick, vous avez votre badge ou pas, là? Ah non, je l'ai perdu sur la route, justement. Ah, putain. Je vais voir s'il m'en reste un, parce que... Ah, il tient tellement bien son RP. Sur le serveur, c'est vraiment lui le meilleur. Ouais, malheureusement, je sais pas, peut-être dans mon bureau, là. Ouais, bon... Ça va. Il y a des trucs à ranger, nous. Attendez. Ah bah voilà, il est là, bien vu ça. Ouais, il est juste en dessous des disques. Ouais. Exactement, ouais, mais parce que je sais plus de badge, j'ai demandé des badges là au gouvernement, mais... Là, t'es devenu blanc. Attention, je vous fais votre contrat, parce que j'ai cru que vous reveniez plus, donc votre contrat, je l'ai bien à la rue. Non. Ouais. Tiens, prends le badge là. Il a été désinfecté, t'inquiète.
Ah, qu'à Marseille, je le prends. Ah. D'ailleurs, votre nom. Bon, je vois, je... Ouais, je bon, allez vous habiller. Allez vous habiller là et on va aller chez le shérif, ça va? D'accord, Marseille, commandant. Moi, je vais me prendre un café, moi. Okay, allez, pas bon, de soucis. Je sais pas s'il commence officier. Ah, ouais, d'accord. Il a pas le temps. Ah, ouais, je suis officier d'Arcan. Ah, ouais, ah ouais direct quoi. Normal. Ouais, direct, mais. Ça va sortir à la M4? Non! Je sais, Mister Popo, c'est un choix parce que je me fais stalk sur mes lives, Mister. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, dis pas qu'il est parti prendre. Ouais, alors au niveau des armes, là, fais attention à des nouvelles directives. Armes non létales, je précise. Bah, comment ça, je suis officier? Ouais, mais bon, on sait jamais avec toi. Bah, non, je suis. Je suis Reformed. Reformed? Vraiment? Ouais. Alors fais la salutation militaire tout de suite là. Quand il s'agit de servir à protéger, on répond présent. Présent mon adjudant. Présent mon adjudant. Ok, ça va le faire alors. Attends, je regarde ce que j'ai, moi, bon, attends deux secondes, si j'ai du calibre 12. Chauffe le calibre. Genre. Eh ouais gros, c'est ça, ça c'est la vraie police frère. Je les garde mes armes. Putain, j'ai pas envie qu'on me les vole. Oh putain. Y'a de l'hydrochlorique acide. Non, ça il faut pas toucher ça. Ça c'est pour les interrogatoires. S'il y a des mecs qui merdent, on leur met ça dans les yeux, ça fait du bien. Attends, j'arrive, je vais gratter de l'argent. Où ça? Au commandant. Ouais, mais prends un petit billet vite fait, hein. Mais ça va être une avance sur ton salaire, hein. Faut que tu le demandes. Hein. Et en gros, c'est. Attends, 91 aurait une indemnité. Enfin, Monsieur Pulichard aurait une indemnité au sein de la LSPD. Comme quoi, s'il ferait de la drogue ou bien des choses illégales, on devrait fermer les yeux. Donc, je n'étais pas d'accord. Du coup, encore. Donc, je n'étais pas d'accord, tout à fait. Donc, j'ai pris cet individu dans votre bureau ici, on a commencé à parler ensemble. Il m'a dit qu'il avait fourni plusieurs points chauds, tels que la cocaïne. Ouais, c'est des points d'armes illégales, etc. Mais que si France et nous ne respectons pas cet accord, on courait de gros risques. Je lui ai dit que ça ne faisait pas peur et. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. À aucun moment, peu importe le pack qui s'est. Excusez-moi, je me vais un peu d'eau là. Wow. À aucun moment là, on va laisser se faire. Là. Non, ce Punisher, mais en plus, j'ai ma petite idée du Punisher là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tatouage sur le visage? Si. Ok, ça va, je sais c'est qui. Ça va. Je vais essayer de le retrouver lui. On va voir les shérifs et après en revenant. Ouais, on... parfait, j'ai la véhicule devant. Ok, on y va alors. Il y a deux véhicules ou un seul? Un seul. Ok. Oh là prenez là. 98, prenez deux cadets avec vous. Monsieur le commandant, j'aimerais vous parler. 44. Allez, 44, allez chercher deux cadets et attendez-moi devant, j'arrive. Oui, venez. Ouais, ça serait juste savoir si je pourrais avoir un peu d'argent juste pour m'acheter les armes sur plan. Ouais, bien sûr. Par contre, c'est un pistolet et taser, hein, ça va? Ah ouais, pas de pompes? On est plus en DEFCON, hein, c'est fini, on a réglé tous les soucis. Hein. C'est au chaos. Non. Non, vous inquiétez pas. On joue la discrétion. Là. Exactement. Hein. On va aller voir les shérifs. On va voir ce qu'ils veulent. Ils ont un détenu à nous et ensuite quoi, on retourne en ville patrouiller autour des points chauds. Ouais. Là. Bien. On a une idée là de ce qui se passe là. Attendez, où est-ce qu'il est mon portefeuille là? Ah, c'est bon, tenez. Regardez ce que j'ai fait. Tenez, prenez ce que je viens de mettre sur la table. Pas de soucis. Ah ouais, ok, c'est mort, commandant. Hein. Y'a pas de soucis. En même temps, c'est pas évident. Bon, vous êtes prêts là? Et j'ai pas de. Les véhicules. Ah. Bonjour, 17. Ouais. Bonjour, messieurs les cadets. Vos noms, vos matricules, s'il vous plaît. Là. 29. 2906, vos noms. Valentino, Chiro. Ah. Chiro. Ouais, j'ai essayé un dégradé, okay, les gars. D'accord. J'ai essayé de faire un truc. Bon, je vous étiez où hier? Touffe sur le teco. Ouais. Dans ma tête. D'accord. Bon. Les soucis arrivés, donc. Je compte sur vous pour votre présence, hein, parce que pas on a besoin d'un effectif. Hein. Sinon, je pourrais jamais vous former. Je serais pas trop présent, donc j'essaierai d'être présent du mieux que je puisse. D'accord. Je compte sur vous. Hein. Bon, là, vous allez venir avec nous. On va un peu voir ce que vous voyez sur le terrain, là, parce que les patrouilles, ça dure 2 minutes. Allez, on y va là. Il me gueule dessus, limite.
On fait quoi, notre Darkan? Bah, je pense qu'on va devoir prendre un véhicule, je vais demander au commandant. Genre, on va pas. Tu vas patrouiller ou. Monsieur le commandant, Ouais. Faudrait qu'on mette en observation le nouveau. Qui est ça patrou... Bah, 24. Ah, Patrick, exactement. Ouais, je comptais sur vous pour venir avec nous pour voir un peu ce que vous va. Ouais, ou alors on va ensemble, ouais. Ouais, je vais vous présenter au shérif, là, un peu tout le monde. Là. Dommage qu'il n'y a pas tous les effectifs parce qu'il faudrait que. Ouais, les gars. Pour nous, Non, sortez attends, un vie. Attendez, commandant, il n'y a pas un mec qui est mort là-bas? Où ça? Oh. Sur la voiture. Oh, ça commence. Oh, putain. Monsieur, on a plein d'un mètre là, il a reçu des balles. Qu'est-ce qu'il se passe ici, des balles, monsieur, là. Monsieur, il t'a fait tirer dessus, là. Vous allez bien, monsieur? Aidez-moi, là, aidez-moi. On appelle les EMS, là. Mettez les objets, s'il vous plaît, sur la route, la signalisation. Ah, ok, j'ai pas sorti. Attends, on lui met des baffes. Ah, reste avec nous, là, reste avec nous. Monsieur, monsieur, reculez, là, il a pris des balles, là, reculez, là, c'est bon, c'est bon. Et faites-le partir, ce monsieur, là. On veut circuler, monsieur. Monsieur, venez avec moi, monsieur. Comment vous vous appelez? Dunian Ting, Moto Ting. Ah d'accord, moi j'ai été dans le 13ème moi il y a quelques années, ouais. J'ai des bases en Tralatinta, attention, ouais. Ah, Anigato Godaimad, Anigato, Pamayala, Pata, Pakana, Paklo. I think I know what you know. My god, my god, I think I know what you know. Don't lie, Tala Dinda, the show, who I see, see. Ding dong. See, see, Tolo, who like Billy, Accident, Boku, Boku, Tai Accident, Boku, I got your slow, I show no, I think. The thing, I come in at the end of the run. Okay, I'm going to. Ouais, je suis en communication avec lui. En gros, il est pas vraiment responsable. Il était là au dernier moment et il a essayé de venir au secours de cette personne pour établir les premiers soins. Attends, c'est attends, c'est exactement. Okay, c'est exactement ce qui débattait là. Mais donc, il a pas vu la personne qui a. Par comment contre, y a pas... vous avez pas vu la personne, c'est ça? Ah vous non, ma non, langue parti, là, de débat, de débat. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Titi, il te comprends, mais demande à rien, il n'y a pas longtemps. Bon, on y va là, il y a une unité spéciale qui va arriver pour l'individu. Ok, il m'a dit qu'il n'était pas responsable, il avait rien à voir avec cette histoire, il a rien vu. Ok, bah dites-lui qu'il. Ouais, il n'y a pas de soucis, monsieur. Arigato Godaimat. Ouais, ah, non, mais t'es dommage, Naga! Je comprends rien. Le blé. C'est quoi ce chinois-japonais raté? Ouais, bah. C'est propre bon. Ton chinois, hein, Darkan? Ouais, ouais, j'ai des bases, ouais, ça c'est. Ça s'avance d'avoir forcé sur les buffets à volonté, hein, t'as vu? J'avance, hein. Radio, c'est qui là, l'unité qui vient de partir là? Revenez, revenez, on va... vous allez prendre le KD, le 44 là. Attendez, putain, mais on est combien là? Y'a deux KD ici. C'est à qui le véhicule ici là? Vous pouvez me l'ouvrir? Ah voilà, c'est fait monsieur. Ouais. Bon, vous prenez les deux cadets. Ouais, on va essayer de les briefer un peu, ouais. Parce que tout à l'heure on a vu quelques petites erreurs. Il est pas ouvert, même si, chef. Même si ce cadet là, je sais pas. Vous avez été oh, wow. Rappelez-le moi s'il vous plaît. 06. 06, ça va, j'avais l'air il de. Il se passe rien du tout, qu'est-ce que tu fais? Merci bien, c'est très gentil. De quoi, Vous serez en étroite relation avec nous, avec. Damien, monte-moi dans le véhicule là. Avec l'officier Patoche qui est avec juste à ma droite là. Attends, ça va. Très bien, on venez, on va chercher un véhicule, on va chercher un véhicule. Venez, 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 on se dépêche. Ouais, je m'en souviens. Revenu, voilà. Bon, okay. Il nous faudra un véhicule là. Je crois qu'on a celui-là, hein, Darkan. Ah non, il est déjà prêt. Viens, on va en prendre un. Ok, faut voir le commandant. Bah, vas-y, on va prendre un coup. Ouais, je pense que ce serveur, on a un peu de liberté, on peut faire certaines choses. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, ils sont compréhensifs sur le RP, ils ont un peu d'imagination. Vous venez pas avec nous, on a deux cadets, je crois. Ouais, il faut prendre un cadet ou deux là. Pourquoi vous venez pas de les mettre en observation. Non, non, moi je prends juste les cadets et c'est tout. Hein. Ah, d'accord, comment ok. Donc on peut aller patrouiller tout seul. Ouais, allez patrouiller, ouais. D'accord, d'accord, on peut y aller. Ok, Pat, on y va. Il est où? Hey, un cadet, il est mort. Hey, il est mort, il est mort. Ah. Pat, c'est bon, on peut aller patrouiller avec Darkan, Darkan, il est mort. Où ça? Il est où? Mais non, il est pas mort. Il est où? gardez votre sérieux, c'est un collègue. Ah bah. Il a une hémorragie interne, la moindre des choses, c'est de venir à son secours là.
Vous allez bien, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Je peux savoir ce qui se passe, les véhicules sont... Tête, là. Ça va? Ah ouais, ça va un peu mieux, là. Ça, ça va? Bon, mettez-vous sur le côté, là, et faites attention, là. Ah, oui. Vous savez, vous vous rappelez ce qui s'est passé, là? Parce que je vois que vous allez pas bien, là. Ouais, je sais pas, j'ai vu le commandant, me dit pas qu'on vous a mis des cadets fragiles, là. J'espère pas, parce que... Bon, monsieur, là, il faut un peu dur, là. Soyez dur, là, ça va? Ah ouais, ça va aller. Allez, on se lève. Faites-moi 3 flexions, là. D'accord. Faites-moi 3 bonnes flexions, allez, là. Allez, exécution, là. Dis ce que je vais faire. Allez, les cadets, là. Toi aussi, là. Ah, moi aussi, très bien. Ouais, 3 flexions, là, allez. Déflexion, très bien. Déflexion. Monsieur, c'est de moi, là. Qu'est-ce qu'il se fout? Voilà, c'est bien, cadet, c'est bien. Je suis sportif, monsieur, vous savez. Voilà. Merci, une, clutch. Deux. Cracaille, désolé. Plus vite, là. Merci à Munir. Voilà, c'est bon, là. Soyez dur. Je vous demandais 3 flexions, là. Merci beaucoup. C'est tout? Et vous soufflez déjà? Vous êtes sérieux, là? Je continue. J'ai peur que DMG soit parti avec un... Bon. Oh, putain. Bon, allez me faire 2-3 tours du commissariat, là, parce que vous êtes à votre physique, vous allez pas tenir sur le terrain. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Ouais, vas-y, monte. On prend qui de bon? Mollo sur la conduite. On y va, Mollo. Comment ça, attendez, là. Go direction les shérifs, là, on y va. On va prendre notre cadet qui court. On est en retard, là. C'est la team fitness. Elle court vraiment. Montez dans le véhicule. Vas-y, skate. De quoi on va faire? Quoi, on va voir le shérif ou on va voir d'agents? On va patrouiller, ouais, on va voir d'agents si on constate un délit. D'accord. Excès de vitesse, outrage, trouble de l'ordre public, on intervient. Ça compris. Est-ce qu'on fait un tour dans les quartiers? Maîtrisez votre conduite, s'il vous plaît. Oh, oui, j'ai la moitié 13 ans. Vous avez un endroit préféré ou pas pour aller patrouiller? Demandez au cadet qui a l'air d'être un peu plus alerte sur ce qui s'est passé dernièrement, dans quel quartier il y avait un peu de délinquance. Cadet, au vers rapport où, s'il vous plaît. Cadet, cadet 10-4. Vous m'entendez? Ouais. On est avec vous là, ouais. Oui, 10-4. Dans quel endroit vous voulez qu'on patrouille? Oh putain, je sens que je vais craquer, je vais le tabasser. Je vais craquer, je vais terminer, les gars, je vais le mettre une balle. On en fait quoi de lui, Darkan? Oh, j'ai l'impression qu'on a un zombie avec nous. Bon, c'est pas grave, on va patrouiller. D'accord, génialo. Oh putain, il l'exhauste de la voix, nique sa race. Il est où 19? Il est où? Est-ce que si 19 il est là? Je pense qu'on va le mettre un feu rouge, il va faire la circulation, ça continue. Hein. Il mettra dehors, c'est plus c'est tôt. Continuez à patrouiller et regardez un petit peu ce qui se passe autour. Ouais, je patrouille, vous en faites pas. Hein. On le met à la circu? Dépose-le sur l'autoroute. Attendez, hein. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon, on vous entend. Ouais, j'avais des petits problèmes quand vous roulez, c'est pour ça. D'accord, c'est bon, tout est en place. Je suppose, je pense. Prenez, il y a un appel d'urgence. Il a déjà été prêt, monsieur. D'accord, il y en a pas un deuxième là? Il y en a un deuxième, non? Non, mais il était prêt. Mais là, je vais pas trop y émotion. Ouais, donc là, on va vous mettre un petit peu en observation, cher cadet. Il faudrait savoir un petit peu. Bon, vous savez, gérer certaines situations qui peuvent être difficiles. Ok? Je patrouille, hein, voir s'il y a demande au hasard. Oh, mais il y a demande, c'est bon. Très bien. Tiens, comment on se retrouve? Bonjour. J'espère qu'on fait pas partie du gang des gilets orange qu'on a vu dernièrement sur un chantier en train de faire de la livraison de diamants. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Vous en êtes ou pas? Je suis nouveau en ville. Non, je suis nouveau en ville, donc je mine, tranquille. D'accord, très bien. Et là, monsieur en costard, vous faites quoi, monsieur? Ah, moi, je suis taxi, mais là, je viens voir mon collègue, parler un peu avec lui, et puis là, j'irai reprendre le travail. Taxi, vous faites de ma gueule avec ce véhicule-là? Bah, ça, c'est pas mon véhicule de taxi, c'est ce que je vous dis. Je suis venu voir mon collègue, voir pour lui parler, et puis après, là, je vais au taxi, là, je vais travailler.
Ça, c'est mon véhicule personnel. D'accord, très bien. Donc vous attendez ici? Non, non, juste je viens de lui parler et au moment où vous êtes arrivé, bah, j'allais partir en fait. Ok, très bien. Monsieur, vous êtes là dans votre droit, vous êtes en train de travailler, on va pas vous déranger un peu plus longtemps. Ok, merci. Si vous constatez, comment dire, des mouvements inhabituels dans le coin du vol de cuivre, vous nous faites un signe. Ok, pas de soucis. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut avoir les papiers de véhicule au pont? C'est là avant? Oui, elle est à moi, oui. Pour bien procéder s'il vous plaît. Ouais. À une vérification routine, vous en faites pas cette vérification. Alors routine, je fais routine, comment? Alors vous pouvez moi juste vous mettre contre le mur, je vais vous fouiller, vous inquiétez pas monsieur. Ok. Je check la procédure les gars ou pas? Si DMG fait bien. Ouais je reste hein. Procédez s'il vous plaît, n'oubliez pas hein, toujours établir un contact verbal. D'accord, je vois que ce monsieur a le permis. Très bien. On va voir si la voiture elle est à l'eau maintenant. Allez-y, je vous en prie. Pierre Delacroix, le véhicule. Ouais, c'est bien moi. Pierre Delacroix? Les mecs? Ouais, c'est bien, le avec elle est à l'E. D'accord, bon, vous ferez. Passez au contrôle technique là, parce que là, sans les pare-brises, enfin voilà, vous avez vu, il en manque. Ouais, j'ai là, eu un petit accrochage. Ouais, donc là, vous savez que le véhicule il est pas apte à circuler. Hein. Bah, j'ai donc, juste besoin d'un peu d'argent pour y aller, mais après j'y vais, ouais. Très bien, bah faites donc travailler bien alors. Bon, on va décrocher. Hein. Au revoir, non, bonne monsieur. Journée. Au revoir, bonne journée, monsieur. C'est trop bien d'être sérieux. Bon, vas-y, du coup, moi je vais m'en aller, je vais au travail. Bon, elle était réglo, je pense. J'ai pris le dernier appel. Ouais. De ça quoi va, les gars? Ah, t'as pris l'appel? Ouais, j'ai. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Je voulais dire. Il va l'embrouiller. Ah, peut-être que vous avez pas dû m'entendre avec mes petits problèmes. Goûter au sec les gars, on peut pas, on prend pas des trollers gros. Attends. Hop, je te mets 10 minutes. Ouais. Voilà, il y a plus personne à ton appel. T'es content? Ah, excusez-moi, officier. C'est pas grave, on fait tous des erreurs mon ami. Il a fait de la merde là? Prenez l'appel. Prenez l'appel là. Prends l'appel. Je peux pas le prendre là. Pourquoi? Ils disent que j'en ai déjà en cours. Je le prends. C'est bon, on y va. Ah ouais, Fuzouz. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah, dis-lui pour l'instant qu'on travaille bien, y a pas de bavure. Même si, j'aimerais bien j'aimerais m'attraquer un mec, là. J'ai envie de prendre un mec qui... Un mec indiscipliné, ça serait tellement bien d'en choper un, là. Bam, le matraquer, non? Go bavure ou on a juste offre aujourd'hui? Allez, y'a personne à l'appel. Oh putain, on s'est fait pranker ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Attendez, doit avoir quelqu'un ici. Ah, mais sinon, c'était là en état. J'espère qu'on va pas trouver en contresens. Hein. Une personne dans mon village, je te cache pas que le coup de pertière il va être facile. Je le véhicule là, derrière. Oh là là là, vas-y, on le poursuit. En cas cadet, vous avez une arme sur vous pour crever le pneu? Non, pour l'instant, on va faire sommation d'abord. Respectez le protocole. Ok, je respecte le protocole. Demandez-lui de s'arrêter avant. S'il n'obtient pas. Ok, vas-y, je vais crier un coup. Arrête-toi. C'est bon, arrête-toi. Arrêtez-vous, monsieur. Ok, c'est bon, les pneus, c'est bon, on y va. Ok, approchez-vous alors. Non, vous conduisez. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Je veux bien viser la pneu. Elle est morte. C'est bon. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous là. Sortez du véhicule là. Tranquille. Quand t'es sérieux là. Quand on vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous mettez sur le bas côté là. Ah, moi c'est le chinois. Levez les mains en l'air. Calme-toi. Elle est chinois, mettons contre le véhicule. Elle est chinois de service là. Le chinois jambe. Non. Maman, elle est là pour contre le véhicule. Monsieur, contre le véhicule. Quand t'es sérieux là. Regardez, procédez à la vérification des papiers là. Mettez-le en joue. Vous en faites pas, je les mets en joue. Je vais le foyer. Devez m'en expliquer. Alors monsieur, est-ce que vous avez le permis? Non, avant, attendez. Parce qu'ils ont pas compris. Écoute-moi bien, fils de schlag, là. Quand je te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes, j'en ai rien à foutre.
Tu vas apprendre à connaître mes méthodes. Parle bien, je te le dirai, descends direct. Monsieur, je vais prendre votre carte d'identité, d'accord ? Continue à bien parler si tu... Si t'arrêtes de faire le con, ok ? Ouais, c'est pas de te le dire, là. Tranquille. Ouais. Claquer de chaussettes, c'est quoi cette dégaine, là ? T'es sérieux, là ? Ouais, Darkan ? C'est bon, on a pas trop d'argent. Alors, véhicule volé, elle a pas le permis de conduire, elle conduit très mal plus. Oh, bah ça va aller chercher loin, ça. Bon, les droits Miranda, procédez. Ouais, c'est pas moi qui conduis, monsieur, il est actuellement à ma 18h26, vous là êtes placé en état d'arrestation pour les faits suivants. Vol de véhicule, conduite sans permis, excès de vitesse, feu rouge grillé. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce qui pourrait être dit pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat, si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Bien, il vous avez droit les... il est bien, à boire et à manger, ouais, et à des soins médicaux. Tout. Avez-vous compris vos droits, monsieur? Ouais, tranquille. Change le flingue ou... Ok. Pas besoin de s'énerver, merci, les gars. Monsieur, on va vous placer dans le véhicule. Bon, je vais parler à son collègue, je sais pas ce qu'il foutait là, parce que je lui ai parlé tout à l'heure. Bon, écoute-moi bien, chinois Jap, là. Comment tu t'es retrouvé dans ce véhicule? Dites-moi. En fait, dans mon temps, on était au bord de la route, et moi, en fait, devant des nems au tien, en fait. Et du coup, t'étais en train de lui proposer mes services, et il m'a dit, viens, on va parler, et donc, t'es parti vite, là. T'es parti vite, il t'a excité, il m'a dit, moi, viens, on va là-bas. Non, mais dépose-moi, tranquille, toi. De toute façon, Derkan n'a pas cette place dans la voiture, donc bon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est qui conduisait? C'est monsieur Mandana. Ouais, c'est monsieur Mandana, mais je suis pas fou, hein. J'ai pas de permis, moi. N'étais pas à conduire dans mon pays. Bon, pour l'instant, j'y crois moyen, votre blabla, là. Ah, maintenant, mon demandeur, t'es vrai, hein. Venez avec moi, matricule 24, là, venez. Venez, s'il vous plaît, sortez du véhicule. Pour l'instant, cadet, restez avec l'autre. Ouais, 10-4. D'ailleurs, ouais, maintenant, vous voulez donner à moi tiens, pas de côté. Mettez-le sur ma côté, avec moi. Depuis d'un rien, de toi, t'as fait un tien dans la rue et pop, te le tue. Ta gueule, là, chez moi. Eh, je t'ai retrouvé le chinois. Ah, t'es taillot, là. On va dans une ruelle sombre, pas. Non, t'es taillot, là. On va lui faire un petit rappel à la loi parce que là, il a. Maintenant, t'es pas dans les larmes. Attends, derrière le camion, Darkan. Non, tranquille. Demande un avocat, Non, vous avez pas commis un délit. On a chopé simplement un flagrant délit envers votre collègue. Je sais pas quelles sont vos relations, mais pour l'instant, vous avez échappé. La prochaine fois, hein, parce que vous êtes en train de me parler chinois, là. Ça ira pour cette fois. On va vous libérer. Matin. Vous allez pouvoir circuler librement. Mais la prochaine fois que je vous vois dans des sales histoires comme ça, c'est un coup de matraque. Est-ce que tu sais ce que c'est une Théo ou pas, mon pote? Une quoi? Parce qu'apparemment que les Asiates ça peut pas rentrer, moi je vais te la faire rentrer. Moi t'es sérieux là? Non, attends là. Attendez, je vais lui parler. Talatinda, attention, oula, il y a Pili. Attends, on te m'a dit, il y a là. Tala, oula, il y a Pili, Pili, t'es important, tu vois, tout le monde, tiens, oula. Attends, comme nous, ma gata, on m'a dit, il y a là. Attends, mais quand t'es de recouverte, avec un nom, un souci, beaucoup, un nom, assis-toi, et bouton. On t'es sérieux, ma tout est là. Non, je suis en train de te parler de ta langue là. Donc la prochaine fois, maintenant que tu comprends, t'as bien compris ce que je voulais te dire, c'est matraquette. Bon, allez, tu peux enlever les menottes là. Il va rentrer après, ça lui apprendra à prendre monter dans des véhicules volés. Allez, circulez, monsieur, bonne soirée à vous. Si vous voulez des nems, de tout là. Hein. Au revoir. On y va, Kadin. Allez, 10-4. Toi, le Mako Bordana, tu vas prendre cher. Non, apprenez à vous tempérer. Non, mais on sait le con. Oui, mais. Vous avez vu tous les délais qu'il a fait? Ouais, je sais qu'il a un sacré dossier, mais tranquille, on va voir ça avec le commandant. Tenez votre conduite, s'il vous plaît. Je la tiens, monsieur. Aucun accident actuellement. Putain, merci à Zesnack, merci les gars. Ah, bah, il est parti de la ville. Mais non. Moi aussi. Mais quel enculé, quoi. Goban, non? Bon, ben... Oh, peut-être il s'agit d'un peu... Il y a un appel, prends-le. Darkan, nouveau appel. Oh putain, j'ai déjà un appel en cours. Je peux pas non plus. Je le prends. J'ai pris l'appel. Il s'appelle Ali, ouais, ça. Il a crash, tu penses? Oh, je t'aime, Max.
il nous reste combien de temps? Est-ce qu'on a le temps après, les gars? On continue jusqu'à quelle heure, GTA? Encore une demi-heure et après on part sur, sur autre chose. Un petit toki. Comme ça, enfin. Et là, ici, l'appel, y'a quoi? Reviens, sais-tu? Ouais, je pense. Ça, c'est champion de forme, ouais. Ah, je continue, c'est sympa là. Go Ina ou Striptease. Les Ina Striptease, c'est tard la nuit, les potes. C'est pour aider les gens, les ceux qui sont foncedés à bien dormir. Oui, parce que je rends service. C'est posé quoi, comme. Prends le mec là en tagant. Camion poubelle. Ouais. Attends, deux secondes. Oh putain. Tu l'as pas mal foncé dessus sur le véhicule tout à l'heure, pendant que vous parlez avec le chinois. Ah ouais, c'est lui. Ah ouais. Oui, 10-4. Ok, très bien. On va devoir le demander d'arrêter. S'il vous plaît, mettez-vous sur le bas côté. On l'arrête. Ok, délai fuite, hein, je crois bien. On peut crever les pneus ou pas? Autorisation. Autorisation, on peut y aller. Crevage de pneus. Oh non, il va dans les quartiers, il y a des familles. Des favelas. Comment? Ne vous en faites pas. Arrêtez-vous. Crevage de pneus, on va avoir. Tous les pneus sont crevés là, mon ami. C'est bon, il est bloqué. Faut sortir. Arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez là? Oh. Regarde-moi ces connards, quoi. Regarde-moi ces connards, ces fils de pule. Attends, mais c'est pas possible, ils sont passés le mot, quoi. C'est déjà la deuxième fois en 10 minutes, hein, Darkan. Ouais, j'ai l'impression qu'on se fout un peu trop de notre gueule. J'ai l'impression aussi. Le mec qui parle pas et qui part directement dans la ville, c'est bizarre, hein. La prochaine fois, on fait qu'on met une balle dans la tête, hein, direct, hein. Vous avez vu, cadet? Faut pas se laisser démonter quand ça arrive. Faut reprendre notre service. 4. Ah, vous pouvez venir sur la radio, s'il vous plaît, Darkan? Ouais. La radio en... La radio TS3, monsieur. C'est la fréquence. Ouais. Ouais, tu vas faire quoi, Rara? Bah, go en ville. Tu vas voir des mecs armés ou pas? Bah, vas-y. Y'a un mec à 400 mètres, la pistolet. DMG. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit de rester discret, gros. Parce que la prochaine fois, l'année va te ban. Mais j'ai rien fait, là. Ah, ok. Là, y'a un mec à 200 mètres et le pistolet. Vas-y. Il a fait un appel au flic, c'est pour ça que je le vois. C'est lui. Hop, halte là, garderie. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous écarter de cette moto. On va vous poser quelques questions parce que la tenue n'est pas adéquate pour circuler en ville, monsieur. La tenue, elle est pas adéquate? Ouais, vous êtes censé avoir le visage découvert. À moins que vous travaillez dans une aciérie. Et dans ce cas-là, je comprendrais, pour des raisons de sécurité et de sanitaire. Mais là, pour le moment, vous êtes en ville. Enlevez-moi les lunettes aussi. Je suis en train. Oh putain, il a rien dans le crâne en plus. Sur le crâne. Bon, c'est quoi le problème? Alors le problème, monsieur, hein? Ouais. Vous le voyez. On va devoir procéder à une vérification de votre moto pour savoir si elle est aux normes. Parce que là, j'ai vu que vous avez des pneus. C'est quoi ce bordel, ça? Vérifier. Je l'ai acheté comme ça, monsieur. Vous voulez que j'ai vérifié Darkan? Ouais, parce que les chaînes c'est interdit en ville là, ça abîme la chaussée. Bah ouais, mais je regardez viens autour de vous, est-ce qu'il y a de la neige? Non! Oh, vas-y frère. Y'a de la neige ou pas? Est-ce qu'on sent les chaînes quand y'a pas de neige? Ouais. Ok, bon, ça accroche mieux. Encore monsieur, je vais devoir juste regarder vos papiers d'identité, ça vous dérange pas? Je lui pète les pneus ou pas? Non, allez-y. Merci. C'est quoi, faut que ça soit moi qui vous les donne ou vous les prenez? Vous inquiétez pas, je vais prendre dans votre poche. Ok, parfait. Il est âgé. Oh la merde. Voilà. Je vais vous le redonner, monsieur. Ah. Merde, j'ai... Après, monsieur, la moto, vraiment, pour le coup, je l'ai acheté comme ça, hein. T'as en plus, elle est toute neuve, là, justement, je venais voir si... Monsieur, regardez, le poids, il est pas aux normes. À mon avis, il y a une vitesse qui est totalement débridée. Là, vous allumez la chaussée, mais vous ne crantez les chaînes, là.
Donc ce que je vais vraiment faire, pas. Hein. Là, ça va être un simple avertissement et je vais simplement vous retirer le pneu enneigé. Enfin, le pneu avec les chaînes. Cassez-moi bah, les. Bonne chance. Elle est, monsieur, en norme. Elle a pas remis dans la moto. Elle, okay, a... elle est en norme. Ok, super. Attendez, ça va être très simple. Merde. Pourquoi ça marche pas? Écartez-vous au cas où. Hein. Ouais, écartez-vous. Ok, ok. C'est procéder à... Pourquoi il va se passer quoi? Ouais, mais non. C'est le règlement. Non, mais vas-y, wesh. Moi, je viens de la payer là. Je veux pas le savoir, monsieur. Mais quoi, mais. Je fais l'avant d'Arca au cas où il remet les chaînes. Je peux pas, je peux pas là. Mais vas-y, le moto n'est pas homologué. Vous enlevez ce pneu avec les chaînes. Mais je... Merci. Mais je peux, mais vas-y, frère. Je peux non, pas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, calme-toi. Par contre, frérot, la pète pas parce que ça coûte une blinde. Je... Bah, explique-moi, monsieur. Est-ce que vous savez comment la changer? Ça brûle. Je brûle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, faut vraiment être con, hein. Monsieur, s'il vous plaît, apprenez à garder votre calme. Si non, vous pardon, pardon. Mais quoi, mon calme? Vous venez de vous péter la main. C'est vous qui êtes en train de pisser des flammes, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, mais c'est peut-être les papillons un peu forts, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, merde. Ah, d'accord. Ça doit être sûrement ça, du coup. On va essayer de prendre votre moto et de la mettre sur l'autre côté, parce que sinon, elle va être cramée. Ouais. Et faites pareil pour votre voiture. Ah, bah, car... Pas un report, ça va vite, hein. Ouais, je vais être bon d'instant, toi. T'as eu peur, Qui a eu peur, en chat? Ghost... flagrant délit de ghost riding. J'ai trouvé un drake... faut que je trouve un phrase pour t'aider, et ils arrivent. Ouais, tu l'avais vu arriver, toi? Ouais, mais bon, je... Mais si tu fais le bind à... monte à un bind, là. Mets-le. Sur TS, là. Grenade. J'ai pas le temps de faire un auto Mendoz. Merde. Au pire, tu dis grenade, hein. Ok. Ou la musique du cercueil. Toi, t'as été touché ou pas? Ouais. Et qui est mort dans l'histoire? Y'a que moi? Non, toi, moi. Ah, toi aussi. Et l'autre, il est parti? Non, mais attends, c'est le mec de tout à l'heure, non? C'est le même camion poubelle. Ah, donc il a déco pour ce. Ah, ouais, c'est un stalker, ok. Attends, je remercie Zesnack pour les 4 mois et merci à Amras pour son 6ème mois, c'est gentil, les gars, merci beaucoup. Check Rakaï à vous deux, les potes. T'as été revive, toi? Ouais, enfin, rien. Tu fais. Non, mais. Ah, mais y'a un troller avec la musique là. Attends, le. Attends, toi, je vais le faire. Ah, vous pensez que c'est le mec qu'on a laissé échapper là, qui est revenu? Je peux le fréquer par arrêt. Mais là, c'est lui qui nous a tué. Ouais, vas-y, tue-le. Que de repêcher dans sa daronne. Bon, tu feras l'info SWAT quand tu vas être revive, hein. Ouais, mais dis-moi, demande-le, t'as été revive? Pourquoi j'ai pas été revive, moi? Ouais, j'ai été revive. PT slash report, revive. Ah, c'est bon. C'est bon, normalement. Non, mais c'est pas F8, c'est TRR. Ah. Chaque fois, tu fais la même erreur. Ah, monsieur, vous pouvez aider cette personne sur le pont. Il se passe quoi là? Tenez le coup d'arcan. C'est le stalker qui a fait ça, qui a fait spawn des PNJ? Ouais, c'est pour ça qu'il a fait cramer d'abord le cadet. Parce que genre, je sais ce qu'elle a et tu peux faire cramer au début. Bah, viens pas, Sex, ouais. Pourquoi tu veux venir alors? Sur ça, c'est les nuls. Il y a beaucoup de magiciens là. Go, t'es au Sex. Ouais, un peu trop. Ils vont les resserrer. Ouais, c'est bien ça. Et c'est quand? Les trois lèvres, hein? J'arrive pas à me relever, gros. Attends. Ouais. Monsieur le cadet, vous pouvez l'aider? Ouais. T'arrives pas à se relever? Allez, on va. Je vais essayer de le porter. Vous m'aidez, officier? 3. Mais qu'est-ce qu'il fait? 2. 3. 1. Vas-y. Go! Appuie sur G. Sergent!
Ah bah enfin, putain. Oh, j'ai la tête qui tourne. Qui est l'incroyable fils de pute qui a fait ça là, putain. C'est moi monsieur, j'ai pas fait exprès, pardon. Je rigole. Non, je voulais savoir, vous avez certainement vu la personne, j'ai... Non, franchement, monsieur... Mais en fait, le camion, il est arrivé, j'ai regardé, il était vide, j'ai sorti mon arme et tout, mais il était vide. Et d'un coup, boum, plein de policiers avec des lance-roquettes. Et d'un coup, il y a un magicien qui a fait apparaître tout ça, quoi, et lance-roquettes partout, quoi. Oh putain, va falloir reprendre. Bon, ok, très bien. Bon, de toute façon, on avait terminé ici, bah reprenez votre moto et ça ira pour cette fois. Quoi, okay, reprenez, mais il y a plus de... Et pensez à la réparer votre moto par contre, hein, vous m'enlevez ses chaînes. Ouais, vous la mettez aux normes, votre moto. Ok, bah du coup, est-ce que je peux au moins aller jusqu'au PDM avec, parce que faut que j'en rachète du coup. Parce que je vais racheter une moto, je peux pas retirer les chaînes. Ouais, faut que je rachète une moto là. Ah merde, Eh ouais, c'est ça le problème. Il va racheter une moto. C'est que celle-là, on l'achète comme ça, donc faut que je change totalement de modèle. Ah voilà, je sais pas, va falloir faire parce que moi je m'y connais pas trop en... Ouais, bah, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas, au pire je la revendrai à... Attendez, je vais regarder. Ouais. Excusez-moi, apparemment le mécano il est en ville. Regarde ce qui se passe. Regarde au nord, il y a des mecs armés qui braquent un mec. Ah, attendez, on a une urgence. Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur, vous allez vous écarter, ok? J'ai un otage, les mecs. Si vous voulez pas que je le bute, vous écartez. Tranquille, calme. Tranquille. Je veux juste un mec. Regarde, T'es prêt à 3, 2, 1, attends. Voilà. Quelles sont vos revendications? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je vais vous dire là, j'ai un. Allez, on se met derrière. Allez, bien joué ça, par derrière. Voilà, commandant. Voilà, fais gaffe, y'en a un autre, je lui mets les menottes. Il est parti de la ville. Le commandant, les gars, gros brain du commandant. Bah alors, arrête là. Elle est mort, je crois. Bien joué, oh putain, il va vraiment mourir là. Bien joué, les gars. La voiture, elle explose. Ouais, bien joué. Pas blessé? Si, vous êtes blessé là. What? On va... Ah, je me suis fait tuer RPG. Mais con, moi je l'ai pas vu le RPG aussi.